pour commencer ce tutoriel vidéo sur les matériaux complexes, ici donc un matériau de type cuir sur le canapé, avec le moteur de rendu Arnold en Maya. Nous allons repartir donc du matériau standard d'Arnold, que on va venir donc complexifier au fur et à mesure dans les différents canaux qui nous sont proposés avec ce matériau standard de Arnold. Donc les paramètres de sitting, on va pas trop les toucher pour l'instant, on y reviendra éventuellement dessus si on a des choses spécifiques à mettre en avant. Le matériau donc qui est ici déjà réalisé, et l'arborescence ici que l'on va construire au fur et à mesure pour obtenir donc un matériau assez complexe pour représenter les différentes variations d'un cuir un peu usé, un peu lustré sur donc ce canapé. Donc on va venir dans l'hypershade. On n'a peut-être pas forcément besoin. Oups. Voilà. Et on va venir donc dans Arnold shader. Donc on a tout un ensemble de shaders. On pourrait très bien imaginer construire le matériau de cuir avec un AI Skin SSS ici qui est proposé, qui est très intéressant et dont on a vu les résultats donc sur des matériaux de peau sur des personnages, mais on a vu aussi dans nos tutoriels sur le moteur de rendu Arnold que l'on peut l'utiliser donc pour des matériaux sur lesquels il va y avoir donc un phénomène de diffusion de la lumière sur les premiers millimètres, je dirais, de la surface, comme peut le donner certains matériaux comme le velours, éventuellement le cuir ou d'autres matériaux alors sur lesquels systématiquement on met du skin, comme le jade par exemple, ou la cire. Ok, donc il faut se souvenir que l'on a déjà vu donc l'utilisation de ce matériau skin SSS pour réaliser donc un matériau de type cuir. Ce n'est pas ce que l'on va utiliser ici, on va utiliser un matériau standard de telle manière de pouvoir voir les différents canaux. Alors je prends donc un matériau standard ici, ok, j'enlève le render sitting, le render view pardon, je sélectionne ici donc mes 4 éléments, drag and drop ou assign matériel to sélection. Ok, on repart donc avec un matériau standard, donc avec ses différents canaux. Ok, ici. Donc dans cette scène, on a mis en place un ensemble de 3 lumières. Ici, Area Light 1 et 2 qui sont devant la caméra. Donc pour les voir, il faut revenir en défaut ici. Et en mode perspective, voilà, et on voit donc les 3 area light de type disque. Donc les 2 premières sont disposées dans l'axe de la caméra, derrière la caméra ou devant la caméra, mais pour éclairer donc ce que est en train de filmer la caméra, et puis une lumière en contre, la area light 3 qui est plutôt légèrement froide ici, bleutée, et les 2 autres donc blanches et légèrement jaune ici, on peut légèrement réduire, voilà. Ok. Donc voilà le dispositif donc d'éclairage ici, et on obtient donc avec un matériau standard le résultat suivant ici, où on a une distribution donc sur le matériau de la lumière. Alors ici bien sûr on brûle le matériau de type cuir, enfin qui va devenir le matériau de type cuir ici sur le canapé, pour la simple raison qu'il va y avoir une forte absorption des différents canaux par rapport donc aux paramètres standards du matériau. Ici la I standard donc 5, on va renommer mat cuir canapé, voilà. Donc bien entendu le canal color ici notamment diffuse à une couleur blanche. Donc c'est pour ça que l'on brûle totalement ici donc notre surface de matériaux. Ok. Donc la première chose à régler dans un matériau, quel qu'il soit complexe ou peu complexe, c'est de synchroniser 3 grands canaux qui vont être donc le canal diffuse, qui va comporter donc le matériau, la coloration plutôt et la texture de base de notre objet. Il va falloir donc corréler avec ce diffuse le canal bump mapping ici. Alors quand je dis corrélé, ça veut dire qu'il ne soit pas forcément exact, puisque le bump mapping, d'abord, la texture de bump mapping risque d'être plutôt en niveau de gris, alors que le canal diffuse color ici sera bien entendu en RGB, donc avec les trois canaux et en couleur, donc. Mais il va falloir avoir une correspondance donc, de forme entre le canal color diffuse et le canal donc bump mapping ici que l'on va mettre en place. Et ensuite il va falloir donc une corrélation aussi dans notre cas du matériau cuir avec le canal donc réflexion ici color réflexion et le canal donc color spéculaire. Donc dans un matériau normalement photoréaliste, comme on peut le retrouver sur des matériaux comme verré par exemple, eh bien on n'a pas donc de panneau spéculaire ici. Donc si on prend par exemple un matériau de type Blin dans Maya, on aura un panneau spéculaire séparé du panneau réflexion comme on a donc dans Arnold et que l'on n'a pas donc dans Verré. Donc Verré se veut un moteur de rendu photoréaliste, architectural, intérieur, extérieur, et donc prend en compte le fait que les réflexions et les spéculaires ne sont plus que des réflexions spéculaires, ce que l'on retrouve donc dans la réalité. Et donc le panneau spéculaire et le panneau réflexion sont fusionnés de manière, je dirais, au début de base, c'est-à-dire que l'on a donc spéculaires réflexions qui sont fusionnées pour avoir seulement des réflexions spéculaires dans Verré. Ce qui n'est pas du tout le cas donc dans le matériau Blin de Maya, comme je le disais, qui est un matériau donc non photoréaliste, mais que l'on peut rendre éventuellement photoréaliste. Et dans le moteur de rendu Arnold, qui est un moteur de rendu ray tracing photoréaliste, et on a quand même cette séparation entre les deux, spéculaire et réflexion. Donc c'est à l'utilisateur, à l'infographiste, de bien faire attention au fait que les spéculaires et les réflexions sont censés fonctionner aussi de la même manière, avec le même système de texture, ou avec des systèmes de texture relativement proches. Si on veut avoir des variations entre les deux, il faudra le justifier par l'apport donc de variations de type texture en mélangeant par exemple les spéculaires avec une autre texture que celle que l'on donne donc dans le canal des réflexions, mais la base devrait être semblable. Trop de différences entre les spéculaires et les réflexions donneront un matériau non réaliste. Donc en fait, si on synthétise ce que l'on vient de dire en première approche, il est nécessaire de corréler donc le canal diffuse color, le canal spéculaire color, le canal réflexion color et le canal bump mapping ici, qui n'est pas color bien entendu, mais qui est la variation du bump mapping. Donc on a au moins à la base ici, pour les matériaux de type AI standard, donc Arnold standard, on a besoin de corréler donc 4 canaux qui vont nous permettre donc de travailler le matériau de manière cohérente et de manière assez réaliste. Donc pour ça, eh bien, il faut venir dans un logiciel de retouche d'image comme Photoshop, venir faire ces corrélations entre les différentes textures que l'on va ensuite poser dans les différents canaux que l'on vient de citer, de telle manière d'avoir une cohérence entre ces différents canaux sur lesquels on doit travailler. Donc on va venir dans Photoshop. Donc dans Photoshop, on va construire les différentes textures. On ne va pas le faire ici, ça serait beaucoup trop long dans ce tutoriel-là, mais vous pouvez le faire dans Photoshop. On peut le faire aussi avec des logiciels comme Crazy Bump ou d'autres types de logiciels qui permettent de construire donc un ensemble de textures à partir d'une texture de base, donc notamment à partir de la texture de color, diffuse color, pardon. On va pouvoir donc avec certains petits logiciels très intéressants venir construire, donc élaborer les différentes textures que l'on a besoin. Donc normalement le bump comme ici. Donc on voit qu'on est parti ici du cuir diffuse que l'on a. Donc on voit au-delà de la couleur, donc la structure ici du matériau que l'on va utiliser, qu'il y a des zones plus ou moins éclairées et des zones plus ou moins sombres ici. Et à partir de cette texture donc diffuse color, eh bien on va venir construire donc les autres textures. Dans notre cas ici, pour construire nos différentes textures, on a utilisé un petit logiciel qui s'appelle Shader Map Pro, qui permet, encore une fois, à partir d'une texture diffuse color, donc la color, de construire donc les autres textures. Alors, on a construit comme ça le bump, de telle manière qu'il soit corrélé donc avec la forme du diffuse. Hein, quand on regarde les deux, on retrouve la même structure ici, sur lequel on pourra ensuite dans Photoshop venir retravailler ou la mélanger avec une autre texture de type noise par exemple, mais on aura une base qui sera semblable donc à celle du diffuse color. Donc le bump ici, cuir diffuse. On aura ensuite la construction de cuir normal ici, qui permet donc d'obtenir un displacement, donc un déplacement sur les trois axes RGB de manière beaucoup plus précise qu'un bump, que l'on pourra utiliser aussi. Ensuite donc on a cuir réflexion de base qui est comme le cuir diffuse, mais qui va avoir donc une coloration légèrement différente ici, donc légèrement plus froide, verdâtre ici. Éventuellement on pourra donc travailler sur une légère luminosité. Voilà, ok, par exemple ici. Ensuite, on aura donc de la même manière le cuir spéculaire de base. Donc ce cuir spéculaire de base reprend la forme structurelle donc du cuir diffuse, avec un contraste beaucoup plus fort pour ne sortir que les parties spéculaires comme l'on voit ici, les pointes spéculaires que l'on va réutiliser. Donc cette map ici de spéculaire de base, qu'on appelle cuir spéculaire de base, va pouvoir être utilisée, mais elle va être combinée avec le cuir base ici, de telle manière de pouvoir se rapprocher de justement cette forme donc de cuir base ici, tout ça pour rappeler qu'il faut bien que l'on ait une base commune entre donc le diffuse, le bump, les réflexions et le spéculaire. Donc on va voir quelle construction on va devoir réaliser pour faire ce rapprochement donc entre le canal spéculaire qui va utiliser donc le cuir spécule base ici et le cuir bump base aussi. Ok, donc voilà nos quatre maps ici que l'on va utiliser. On reviendra bien entendu en détail sur d'autres tutoriels où on verra que l'on va utiliser par exemple donc du cuir réflexion amount ici pour donner de la force donc aux réflexions. On va utiliser d'autres types de textures que l'on va travailler, qui vont venir modifier la structure donc de notre cuir au final. Donc pour l'instant partons donc de ces quatre textures et revenons donc dans Maya. Donc dans Maya, eh bien, on va venir utiliser ici les premières textures de manière très classique. Diffuse color, je clique ici sur le panneau texture, 2D, file, ok, et je vais venir chercher donc cuir diffuse, voilà, ok, je relance le rendu. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici, donc la distribution bien sûr de la texture sur l'ensemble de la forme du canapé ici, avec le canal color de diffuse. Alors tout de suite on a un weight ici qui nous permet donc de donner une prédominance plus ou moins importante donc au canal color ici de diffuse. Ici si je le mets à 0, étant donné que les autres canaux ne sont pas enclenchés, eh bien on aura donc une texture noire, et pour l'instant on va passer donc de la texture, je dirais maximale avec un white de 1 à du noir ici, où on n'aura plus du tout donc de texture et de visuel ici de matériaux. Ok, donc je reviendrai sur ce weight là, je le remets à 0,7 avec sa valeur par défaut ici. On a un paramètre de roughness ici qui nous permet d'avoir une distribution plus ou moins douce de la lumière à l'ombre ou de manière brutale, un peu plus brutale, donc de la lumière à l'ombre. Ici, si le roughness est relativement fort, eh bien, on aura quelque chose donc de relativement rapide du passage, donc sans trop de modeler, du passage de l'ombre à la lumière ici. Ok, pour l'instant je laisse la valeur ici aussi de 0, donc le modelé maximal entre la lumière et l'ombre ici. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'on n'a pas la possibilité de travailler les ombres comme dans un matériau photoréaliste, comme peuvent le présenter les matériaux de Véré par exemple, alors que des matériaux de Maya comme le Blin permet de pouvoir donc travailler la coloration des ombres avec le canal ambiante, hein, et qui sépare encore donc le diffuse color de ces ombres, ce qui n'est pas le cas ici en première approche, hein, ce qui n'est pas le cas en première approche ici avec les matériaux donc de Arnold, et on verra dans d'autres tutoriels qu'on a la possibilité bien entendu au niveau du shader, bien sûr au niveau du rendu avec les passes, mais au niveau du shader aussi, d'extraire ou de venir donc créer un canal supplémentaire qui va gérer les ombres, le matériau ombré qu'on appelle l'ambiante, donc qui est le matériau sans lumière ici sur notre matériau de cuir. Ok, donc weight 0, cette roughness ici à 0, et on va venir donc maintenant dans un deuxième temps venir travailler donc sur le bump mapping. Ok, de la même manière, file. Ok, donc bump def, ici on a le node bump 2D qui vient s'interposer entre le file et le canal donc bump mapping d'Arnold de manière assez classique. Ici on va rentrer au départ une valeur de 0,1, use as bump ici, et non tangente space normal, objet space normal ici. Ok. Et je viens charger donc mon image. Et bump, cuir bump base ici, que l'on a vu, voilà. Ok. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici, donc avec le bump que l'on a mis en place. Reste maintenant donc à continuer notre travail au niveau donc des spéculaires et des réflexions. On va venir donc sur le canal ici, réflexion, 2D texture, file. Réflexion base, ok, et on a un weight ici avec le canal color qui va donner donc la force des réflexions qui varie donc par défaut entre 0 et 1. Donc on va mettre 1 en maximal ici comme valeur pour regarder donc le résultat des réflexions sur le matériau cuir. Donc voilà le résultat ici, où on a donc des effets de brillance qui se sont rajoutés sur l'ensemble donc du canapé que l'on peut voir en rendu ici. On va maintenant donc après les réflexions sur lesquelles on reviendra travailler notamment au niveau du weight, on va travailler donc sur le canal spéculaire, le dernier donc à mettre en place, 2D file. Et on va prendre donc spéculaire de base ici, ok, et on verra comment on va ensuite le transformer. Ok, spéculaire, et le weight, on va mettre ici un weight maximal. Pour l'instant le BRDF, On va prendre le BRDF par défaut, Cook Torrance. Et on a un Rogness, donc un paramètre de la même manière qui va donc pouvoir soit donner avec un Rogness relativement faible des spéculaires très pointus, donc ça veut dire très fins, très brillants, comme on le voit ici un peu dans le retour, le sample ici donc en haut de l'attribut editor sur l'échantillon du matériau. On a avec une valeur de 0,3 des spéculaires relativement fins et très brillants. Et puis si je viens donc avec un Rogness à 0,7 par exemple, et eh bien j'ai une distribution donc des spéculaires de manière plus large et donc moins intense. Donc ce paramètre de Rogness aussi, on pourra venir y travailler dessus selon le matériau cuir et selon le dispositif de ce matériau aussi. Il sera plus ou moins Rogness, on va dire, donc il sera plus ou moins brillant, lustré, ou plus ou moins donc usé avec une brillance plutôt diffuse. Donc pour l'instant on va laisser une valeur à 0,4, 0,5 ici, une valeur moyenne, et on va lancer donc le rendu, encore une fois avec un weight à 1 et un BRDF de base de Cook Torrance que l'on pourra aussi faire évoluer. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici. On voit que l'on a donc une corrélation moyenne, je dirais, à très faible entre les spéculaires et les réflexions et forcément donc le canal diffuse color, puisqu'on obtient quelque chose d'assez bizarre entre le rapport entre ce qui brille et ce qui est donc réfléchi et ce qui est diffusé donc en termes de matériaux. Donc on voit bien l'importance de venir bien corréler les quatre canaux pour obtenir quelque chose qui visuellement est vraisemblable, photoréaliste éventuellement ou réaliste, mais au moins vraisemblable, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On a l'impression d'avoir affaire à un matériau cuir sur lequel on aurait donc collé éventuellement une feuille de plastique qui brille partiellement et qui ondule sur l'ensemble donc de ce canapé. Donc en fait on va devoir venir retravailler donc déjà notre matériau, notre canal spéculaire. Donc voilà pour l'instant dans l'hypershade le résultat que l'on obtient. On a donc un matériau qui est composé de 4 canaux, donc diffuse, spéculaire, réflexion et bump ici. Il est recommandé bien sûr de nommer les différents éléments. Je ne vais pas le faire ici au risque de perdre trop de temps, mais ce qui est intéressant ici c'est de renommer ces différents éléments, au moins les files, de telle manière de retrouver le nom ici dans l'hypershade. Ok, donc j'ai mon canal ici spécu de base. Je vais avoir ici et je vais le renommer mon canal donc bump ici au niveau du file, le node bump 2D, et je vais venir combiner donc le file bump et le file spécu de base. Pour ça, de manière assez classique, donc je vais venir utiliser un utilitaire dans l'hypershade de Maya, le multiply divide, et je vais venir déconnecter ici, venir donc connecter ici donc en input 1. Ok, et le bump donc en input 2, et l'ensemble donc va être envoyé ou déposé directement, ça sera plus simple, en drag and drop sur le canal donc spéculaire. Ok, spécular color. Donc à noter ici dans le Specular Color que l'on met donc 2 maps combinées avec du Multiply Divide qui sont en mode noir et blanc. Donc on pourrait très bien imaginer éventuellement avoir donc une map de Specular Color qui sera effectivement colorée, qui a une certaine teinte pour teinter les spéculaires, et que l'on est donc dans le weight, la map qu'on est en train actuellement de mettre dans le canal color. Ça serait nettement plus intéressant de telle manière d'obtenir donc à ce moment là une belle variation des matériaux donc cuir avec des spéculaires colorés. Donc je relance ici le rendu et on fera cette opération ensuite que je viens de définir ici. Mais d'abord on va voir ce que donne donc le fait de venir mieux corréler le canal spéculaire, donc l'information que l'on envoie dans le spéculaire, que ce soit dans le weight ou dans le canal color, avec les autres canaux bien entendu. Donc on voit tout de suite que le résultat est quand même très différent, dans le sens où on a bien entendu une meilleure corrélation entre les différents canaux pour obtenir donc un résultat qui paraît beaucoup plus vraisemblable par rapport au résultat que l'on avait donc tout à l'heure. Donc pour terminer ici, on va venir donc réaliser dans Photoshop donc une map de SpecuColor. Donc pour ça on vient dans Photoshop et on va réaliser cette map de cuir SpecuColor que l'on voit à partir de cuir diffuse. On va appliquer donc une désaturation, une légère variation de colorimétrie vers une teinte un peu plus froide vert ici, une désaturation et un contraste qui va donc nous donner ce cuir SpecuColor que l'on va pouvoir maintenant donc utiliser. Donc on revient dans Maya et dans Maya on va venir donc changer d'abord les connexions. Donc cette connexion là ici on va la défaire donc du canal color spéculaire et on va venir donc le brancher sur le weight. Donc le weight c'est une valeur unique qui varie en général entre 0 et 1, qui est ici au maximal donc à 1, et donc à la sortie du multiply divide j'ai une sortie donc en 3 valeurs RGB. Je ne peux pas le faire correspondre donc directement une seule valeur ici, et il faut que je passe donc par un petit node utilitaire luminance qui va me transformer donc le RGB en luminance donc en niveau de gris. Donc ici je connecte avec le value et ici ce luminance je vais pouvoir donc le connecter effectivement sur le weight. Et donc à ce moment là, par cette opération là, puisque j'avais donc des maps noir et blanc de spécu de base et de bump ici que je multiplie ensemble et je vais l'envoyer donc dans le weight, ça me libère donc ici le canal color des spéculaires sur lequel je peux venir donc maintenant poser une map colorée qui va teinter les spéculaires, et ça c'est relativement intéressant parce que on va à ce moment là complexifier de manière notable donc le matériau. On pourra réaliser cette même opération pour les réflexions, éventuellement si on a un matériau semi-transparent pour les réfractions, on a la même logique qui se met en place donc pour les différents grands champs, grands canaux des shaders dans Arnold, que ce soit donc le diffuse, le spéculaire, les réflexions et les réfractions. Donc ici, SpecuColor, voilà, open, et je le mets en place ici. OK, et voilà donc mon arborescence maintenant, et je relance le rendu. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici. On a des variations des spéculaires ici qui nous permettent donc d'obtenir, en fonction de l'éclairage bien entendu, donc des variations sur la surface ici du cuir. Alors si on trouve que les spéculaires ou les réflexions ne sont pas assez fortes, on peut venir, pour terminer, appliquer deux méthodes. Soit on va venir augmenter donc sur le weight ici donc la valeur du weight en venant rajouter de manière assez simple à nouveau donc un multiply divide par exemple. OK, donc je prends un multiply divide et je vais venir l'interposer donc entre le multiply divide de base qui multiplie les deux textures et le RGB tout luminance ici, et jouer ici sur une valeur sur les trois canaux bien sûr, au risque de colorer donc quoi qu'ils soient en noir et blanc le résultat de manière générale. Ici c'est en noir et blanc donc c'est pas très grave, ça ne le fera pas. Donc ici je multiplie par 2 par exemple les spéculaires. Alors je vais exagérer, je vais multiplier par 3 de telle manière qu'on voit justement les spéculaires se distribuer ici, et je vais relancer le rendu. Alors ça, c'est la première méthode, et la deuxième méthode consisterait donc, comme Arnold le permet, d'utiliser un layered shader de Maya pour venir placer plusieurs couches de spéculaire sur le matériau cuir de base. Ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de pouvoir jouer sur des spéculaires différentiels, c'est-à-dire des spéculaires larges, des spéculaires plus courts et plus pointus et plus intenses, pour avoir de belles variations donc, de spéculaire et de réflexion spéculaire donc, sur notre matériau cuir. Donc ça, on le voit dans un prochain tutoriel donc, sur les matériaux vraiment très complexe à ce niveau-là, puisqu'on va avoir donc 3 shaders Arnold, un shader de base, et puis 2 shaders qui vont servir donc à jouer sur les spéculaires, qui n'auront pas de canal color diffuse, dont le weight sera justement à 0, et on pourra jouer juste sur des valeurs donc de réflexion spéculaire, qui vont venir s'additionner aux valeurs donc de base du matériau cuir. Donc on verra bien entendu ça dans nos prochains tutoriels sur les shaders dans Arnold. Donc ici, juste pour terminer, donc, je suis venu augmenter donc, les spéculaires, qui est une solution de base qui peut suffire éventuellement selon le résultat que l'on veut obtenir, et je relance le rendu ici. Donc voilà le résultat qu'on obtient en exagérant donc, le weight ici donc, des spéculaires. Hein. Bon, bien entendu, c'est pas ce que l'on veut obtenir ici, on va redescendre la valeur, et il sera, comme je le disais juste avant ce rendu, plus intéressant de travailler avec du layered shader pour venir poser donc des niveaux de brillance de manière globale qui vont donc permettre de simuler par exemple un vieux canapé en cuir sur lequel on est venu donc poser une patine, le huiler par exemple pour le protéger, et donc on aura une structure de la brillance qui pourrait être légèrement différente, diffusée de manière différente que la structure interne du canapé en cuir. Et donc on pourra jouer grâce au layered shader sur ces niveaux effectivement donc de brillance distribués sur l'ensemble du canapé. Ok. Donc pour terminer, eh bien, on va voir donc, le matériau que l'on utilisait au début donc, de ce tutoriel, puisque on a utilisé donc, un matériau plus complexe. On va le décrire rapidement et puis relancer un dernier rendu. Donc voilà l'arborescence que l'on a utilisée au début du tutoriel pour montrer donc, le canapé, qui est plus complexe que celle que l'on a commencé à mettre en place ici dans ce tutoriel là, avec les bases qui sont fondamentales bien entendu. Alors qu'est-ce qui change réellement et que l'on voit donc dans les prochains tutoriels, en dehors du layer shader qu'on a donc déjà commenté? Sur le matériau de cuir de base, on va travailler donc avec le sampler info ici, qui est le node qui permet de donner donc un paramètre qui s'appelle le facing ratio, et qui donne donc la position, une valeur à la position de la face, au normal de la face. Si la normale de la face est face à la caméra, à l'axe de la caméra, eh bien on a une valeur de 1. Si elle est perpendiculaire à l'axe de la caméra, on a une valeur de 0, et on varie donc entre 0 et 1. Ce qui va nous permettre donc de travailler les effets de bord, d'arrondi par rapport donc à la vision que l'on a au moment de la prise de vue. Donc on peut avoir des effets de bord qui peuvent être au niveau des spéculaires, des réflexions bien entendu, mais aussi donc du weight, du canal diffuse, où on va avoir l'impression que le cuir travaille de manière beaucoup plus en modelé sur les surfaces qui sont face à la caméra, et de manière un peu plus dure par rapport donc aux faces qui sont perpendiculaires à la caméra. Et donc on pourra avoir une variation du weight du canal diffuse à ce niveau-là, ce qui nous permettra donc d'avoir des variations de ce canal-là donc diffuse. On pourra éventuellement aussi, ce qu'on a fait ici dans ce matériau-là, travailler donc dans le matériau standard de Arnold. Il y a un panneau subsurface scattering que l'on utilise ici en termes de color et de weight, et on va donc considérer que le subsurface scattering fonctionne mieux sur les parties qui sont donc arrondies par rapport à l'axe de la caméra, donc sur des parties qui sont dont les faces sont perpendiculaires à l'axe de la caméra. Et donc on va travailler ce weight ici de la même manière avec un facing ratio qui va nous permettre donc d'avoir des petits effets donc de subsurface, ça veut dire des petits effets où la lumière va pénétrer donc à l'intérieur donc du matériau et se diffuser pour donner une sorte de d'aura lumineuse donc sur le bord, et ça va nous permettre de récupérer donc comme ça des effets de bord un peu plus lumineux, comme on peut le voir ici sur le bord du canapé au niveau du rendu par rapport donc à l'intérieur ici sur le dossier arrière. On le voit bien, on a donc deux lignes plus claires sur le bord, alors qu'au milieu donc on a quelque chose de plus sombre, légèrement plus sombre, et sur le dossier aussi. Donc ça donne ce petit effet que peut avoir le cuir, éventuellement donc d'une petite luminosité, alors rien à voir bien sûr avec du jade ou de la cire donc comme SSS, mais un petit effet ici de lumière qui peut être intéressant à travailler pour avoir une variation. On le voit aussi sur la coudoir qui est le plus au fond ici, on a une belle variation sur les arrondis qui donne donc cet aspect au cuir comme on peut le voir sur le dernier rendu ici que l'on vient de faire. Donc on voit que l'on peut travailler sur plusieurs paramètres en termes donc de positionnement, encore une fois, de forme, de positionnement de la caméra par rapport aux formes et de structure aussi des textures. Mais dans tous les cas, comme on l'a vu dans ce tutoriel là, à la base il est nécessaire de structurer sa base de son shader à partir de matériaux, de textures pardon, cohérents au niveau des canaux principaux que sont le diffuse, le spéculaire, les réflexions et le bump. À partir de là, quand on a positionné cela, on peut s'amuser entre guillemets à venir faire des variations sur les weights de ces différents canaux, rajouter éventuellement pour Arnold donc du subsurface et avec son weight aussi travailler dessus avec différents paramètres que sont donc les différents nodes utilitaires que sont donc le multiply divide, le facing ratio avec le sampler info que l'on va beaucoup utiliser dans ce cas de figure pour complexifier le matériau et pour qu'il fonctionne bien par rapport donc encore une fois à sa structure et comment la caméra va filmer donc cette structure.